Bonsoir à tous, merci de suivre le journal de la TNH. Au sommaire, le président de la République, Jovenel Moïse, a fait choix du citoyen Jean-Henri Séan comme nouveau premier ministre du pays après consultation avec les présidents des deux branches du Parlement. Un arrêté présidentiel publié au journal officiel Le Moniteur confirme le choix du notaire Jean-Henri Séan comme premier ministre. La prochaine étape sera la présentation de la déclaration de politique générale du Premier ministre devant le Parlement. Le notaire Jean-Henri Séan a remercié le président de la République, Jovenel Moïse, d'avoir fait choix de lui comme premier ministre du pays. Maître Jean-Henri Séan salue l'engagement des présidents des deux branches du Parlement, tout en disant mesurer la dimension de la tâche et les défis qui l'attendent. Qui est Jean-Henri Séan, son parcours académique et professionnel, ses activités? Sabine Jean-Étienne répond à ces questions. Jean-Henri Séan fête dans Croix des Bouquets, commune Tabar, dans date 27 septembre 1956. Jean-Henri statistique, informatique, espagnol, pour une bout dans la faculté droit et sciences économiques, Université d'État d'Haïti, dans Port-au-Prince, côté lui prend une licence dans droit. Il fait spécialisation dans le droit notarial pays l'Espagne, dans l'Université Pontificale de Comillas. Il recevra l'autre formation sous plan international dans le domaine fiscalité, documents électroniques, titrement, pour ne citer ça seulement. Jean-Henri Séan commence à pratiquer comme avocat droit civil en 1985. Pendant 10 ans, il partageait connaissances à plusieurs promotions étudiants à l'Université GOC. En 1992, il nommé secrétaire général de l'association syndicale professionnelle Notaire Port-au-Prince à SNOP, côté lycée un membre fondateur. En 1995, Jean-Henri Séan nommé représentant notariat haïtien dans l'Union internationale notariale latin. Un temps après, il vient vice-président commission Amérique du Nord, Centrale à Caraïbes, Union internationale notariat latin. Jean-Henri Séan, c'est membre fondateur et puis professeur dans l'Amical des juristes, membre fondateur et puis conseiller dans la Fondation haïtienne pour un support à la formation universitaire, concepteur et puis membre fondateur groupe à l'écoute du savoir et de l'expérience, salle conférence franquétienne, membre fondateur et puis conseiller association professionnelle du droit, fondateur principal, institut droit pour tout le monde. Sous plan politique, Jean-Henri Séan a un bon rapport avec plusieurs anciens présidents pays d'Haïti. Il fixe position publiquement en pile fois sous divers dossiers sociaux, politiques et économiques pays. Il est fondateur parti politique Rem Haïti qui a un slogan Tout le monde la donne. Pendant 2 fois, diverses coordinations avec membres du groupement politique Rem Haïti choisissent notre Jean-Henri Séan et puis encourager le présenter comme candidat pour poste président pays d'Haïti. Dans la date 5 août 2018, le président républicain Jovenel Moïse a annoncé qu'il choisit de faire notaire Jean-Henri Séan comme prochain premier ministre pays d'Haïti. Une décision qui sortit après consultation avec divers secteurs dans le pays et l'a officialisé après 2 séances de consultation avec 2 présidents, 2 branches parlement, sénateur Joseph Lambert et député Gary Baudot. Lundi 6 août 2018, le journal officiel L'État, Le Moniteur, publié arrêté présidentiel qui nomme M. Jean-Henri Séan comme nouveau premier ministre pays d'Haïti. Et le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue, salue le choix de Jean-Henri Séan comme prochain premier ministre du pays. Le parlementaire d'Ivoire, maître Jean-Henri Séan, un rassembleur. Cependant, il lui reste à prouver ses compétences et ses capacités, a fait savoir le sénateur Latortue. Sous question de choix de M. Jean-Henri Séan, moi, pensais que critères que m'ai défini au départ, moi j'ai parlé de un monde qui a rassemblé le monde, qui a parlé à tout le monde, et je pensais que ce sont pas positifs, puisque je pensais que M. Jean-Henri Séan, en termes de rassembleur, il a commencé à faire travail là. Moi pensais que ce qui est plus important, c'est que comme sénateur, nous allons vérifier le travail nous dans la pièce li, et nous allons regarder dans présentation de politique générale, est-ce que, point ça que nous parlons, de lutte contre la corruption, est-ce que, non seulement, il va citer le nom, est-ce que l'entrée la donne, est-ce que le dit ça va le faire, est-ce que l'engagement la donne,
Haïti en Action pendant la majorité, t'es une majorité qui fait, majorité qui réagisse. Haïti en Action a réfléchi pour ce qui groupe que nous allons entrer, mais nous pas ni contre le gouvernement, nous pas ni supporter. Nous avons une position de réflexion par rapport à l'État. Le député de la circonscription de Mirebalais, Arbel Décollines, qui s'exprimait sur la nomination de Jean-Henri Séan au poste de Premier ministre, dit souhaiter que ce dernier respecte les exigences de la Constitution. Suivant. Nous prenons acte de nomination quant à la position de groupe 16. Non? Donc cela viendra un peu plus tard puisque nous projetons réunis jeudi en même, jeudi lundi, pour que nous analysions évolution situation et dégager une position officielle. Mais position, ça a le pape officiel. Pas avant que nous commençons à prendre connaissance de éléments qui pourraient constituer ce fameux cabinet ministériel. Dans niveau l'opposition, plus particulièrement groupe communément appelé G16, nous pas pral voter parce que le Premier ministre s'appelle Jean-Henri Séan, nous pas pral voter parce que le Premier ministre aurait pu appelé Evans Paul ou Edgar Leblanc, mais nous pral voter sous base en programme. Et lorsque nous dit sous base en programme, il ne s'agit pas d'avoir un discours pas devant l'Assemblée des députés qui promettent mon émerveille pour ne lever même pour ne voter. N'a pas tant que le personnage Jean-Henri Séan lui montrer qui ça capable offrir à payer et capable offrir à payer de manière rationnelle, de manière méthodologique, sans démagogie, sans promesse fleuve, et c'est seulement sous base considération ça yo que nous autres, les députés de l'opposition, sont capables d'envisager l'éventualité de opposition. Et le député de la circonscription de Terrier-Rouge salue le choix de mettre Jean-Henri Séan comme le nouveau chef du gouvernement. Jovenel Louis estime que le chef de l'État a fait un bon choix et dit souhaiter que le Premier ministre nommé se penche déjà sur sa déclaration de politique générale en vue de répondre aux revendications de la population. Par rapport à nomination maître Séan, d'abord, moi tiens à féliciter choix ça que président Excellence Jovenel Moïse l'y fait en accord avec les deux présidents des deux chambres. Et je crois que c'est un bon choix. Médecin en capable avec tout le monde, c'est un rassembleur et son monde tout qui a coûté toute couche. Ça m'a dit, médecin, préparez-le pour être capable, venez devant la chambre de l'UTA, venez devant le Parlement, pour que nous retirions la population dans sa liée, journée aujourd'hui. Nous gagnons ouverture de classe là, qui c'est pour demain. Et nous gagnons la population qui besoin de travail. C'est que dans pile barré, capitaine, nouveau Premier ministre là, m'a demandé de capable préparer et pour le capable répondre à défi ça. Autre sujet à ce journal, les audiences avec et sans assistance de jury se poursuivent au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ces assises prendront fin ce vendredi 10 août. Je veux dire, nous avons une particularité. Nous avons 4 chambres avec jury, je veux dire. Il y a des 4 qui attendent lundi à témoin de la vie. Je veux dire, nous avons continué à attendre l'affaire. Nous avons 4 sans jury, ça veut dire, je veux dire, nous avons 5 chambres criminelles, 4 avec assistant du jury, parce que je veux dire, avec une sans assistant du jury. Donc, on connaît l'assistance criminelle, c'est pour juger les gens qui ont reproché, qui fait crime de sang, aller des gens qui tuent les gens. Comme la loi dit, au moins, il faut mieux des sessions criminelles avec assistant du jury chaque année. Bon, malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas bien, c'est ça fait année, ça nous augmenter le nombre d'audience. Pour capable simultanément, il y a 3 à 4 chambres qui fonctionnent. Semaine prochaine, on a fixé ça relayon assemblée des juges, va connait la loi dit le tribunal en vacances, ça veut dire en vacances pour civil ordinaire, roulement ordinaire. Mais la loi prévoit tout pendant tribunal en vacances, faut pour toujours en chambre
qui là pour attendre des affaires correctionnelles. Mais nous même dans le tribunal première instance depuis quelques années, nous faisons mieux que yon gen audience correctionnelle par semaine la loi dit. Nous faisons des audiences criminelles chaque jour. C'est ça qu'on doit pendant vacances judiciaires. Nous faisons 5 audiences. Pendant salio, pas gen audience civile, commerciale, audience ordinaire, nous tout profiter, transformer toute salle d'audience dans le tribunal en chambre criminelle. C'est la grosse soirée, arrière, dossier que pas jamais évacué. Pendant vacances, nous n'avons pas gagné affaires civiles. Nous tout transformé tout auditionnaire dans audience correctionnelle et criminelle. Pour nous juger le monde, nous estimer le dossier auprès, ça veut dire en état pour recevoir le jugement. Et puis sachez que la Banque interaméricaine de développement BID a lancé officiellement aujourd'hui l'enquête Robocar. Cette enquête vise à collecter des informations sur les actes de violence faits aux femmes et filles, ainsi que les motivations de déplacement d'une série de citoyens dans leur zone d'habitat. Durant cette première enquête, les abonnés de la DGCL recevront des questions à travers des messages sur leur téléphone. Dans le cadre du projet en question, la BID cible à obtenir des informations, d'une part sur la violence faite aux femmes et aux filles, et d'autre part sur les motivations des flux migratoires internes. Ces données serviront à comprendre la situation des femmes dans les zones industrielles où l'offre d'emploi attire aussi bien les femmes que les hommes. Il convient aussi de noter l'usage du robocall, c'est-à-dire des appels préenregistrés, pour obtenir des informations relatives au comportement social de la population, des croyances, l'emploi, la sécurité, et de souligner que c'est une des premières fois que cette technologie est utilisée dans le pays pour ces fins, puisque les expériences précédentes ont eu lieu spécifiquement autour des élections ou pour des campagnes de marketing. Et bien évidemment, nous espérons que la mise en œuvre réussie de ce projet pilote et de cette technologie nous amènera à en faire un usage plus fréquent dans d'autres domaines et dans d'autres programmes et projets financés par la DIC. Tout le dé enquête yo n'a fait yo à Digicel. Donc, nous sûrement gagnons nous qui recevons déjà un appel Digicel, un SMS, un texte Digicel qui dit nous fais attention que à partir de jeudi, n'a pas recevoir appel. Tant pis s'il vous plaît, répondre à appel yo. Si nous arrivons, nous pas qu'à répondre à appel yo à un moment donné, dis-nous qu'un doigt peut appuyer sous yon numéro yo pour nous demander que appel là, que Digicel fait appel là, pita. Aussi, moi voulais dis-nous que appel yo anonyme et confidentiel. C'est-à-dire que anonyme, nous-mêmes, nous pas jamais ouais numéro téléphone. Nous ne pouvons jamais connaître nous, ni même qu'on adresse nous. Confidentiel, réponse, nous ne pouvons jamais divulguer réponse yon ba yon. Ça n'a pas fait, nous avons mis toutes réponses ensemble pour nous analyser. Donc, appel yo confidentiel et anonyme. Nous n'avons pas besoin de peur. Toute fille et tout garçon qui recevra un appel, tant pis, s'il vous plaît, répondre. Le député de la circonscription de Grissier appelle les autorités du ministère de l'Environnement et des Travaux publics à se pencher sur les problèmes de l'Aisne et dans un grave état à chaque appui sur la ville suivie. C'est pour moi attirer attention encore une fois. Attention, l'État, nous voulons parler d'exécutif particulièrement, le ministère de l'Environnement, hier seulement capable de montrer comment que situation est grave et ça a bien gros répercussions sur l'économie pays. Parce que dans l'entrée nord au pays, tabac, cité soleil, cabaret presque impraticable. Dans l'entrée sud pays, capitale là disons mieux, Grissier, après quelques graines là plus seulement bloquées. Fini avec question construction anarchique qui a fait un peu partout à travers le département de l'Ouest, non? Surtout dans les hauteurs. Et je pense que c'est là que nous sommes capables de arriver, commencer à penser avec le développement pays. Hein? Nous sommes capables de commencer à penser à la question monde qui vient investir dans le pays d'Haïti, particulièrement dans le département de l'Ouest ou bien dans la capitale pays. Hein?
Et puis sachez que le centre germoplasme de Marfin, dans le département de la Gandance, sera inauguré ce samedi 11 août. Pour l'heure, l'agronome Berthonie Saint-Flor précise que ce centre aura une capacité de production de 4,5 millions de plantules chaque année. Suivez. On a gagné pour nous produire une quantité de 4,5 millions de plantules par année dans ce centre. Donc déjà, nous démarrons ensemble avec production. Au niveau de production de plantules, nous avons déjà gagné près de 200 000 plantules que nous produisons déjà. Et donc, sur 4,5 millions. Donc, nous avons avancé vraiment très très bien ensemble avec production de plantules. Nous avons des espèces fruitières et nous avons des espèces forestières. Nous avons des pépinières là, actuellement là, qui sont prêts. En pile fois, nous toujours, j'ai le compte fait, je fais distribution de plantules là, nous en prenons, nous déposons la caille jusqu'à ce qu'il gâte, il va faire ensemble avec lui. Mais quand j'ai pensé, le ministère de l'Environnement, il a un plan de distribution qu'il mettait en place, en disant un plan de mise en terre qu'il mettait en place pour capable permettre que plantules ça y l'air au saut là, arrivé à maturité. C'est un gros coup de chapeau pour le gouvernement en place là, pour bel projet, ça va venir ensemble avec lui, parce que là, il y a un projet d'une telle envergure au niveau d'un département. Donc, on va se c'est bien pour le monde dans la zone, qui c'est des bénéficiaires directs. Et puis, c'est bien pour le développement dans la zone. Donc, maintenant, pour le gouvernement, il continue ensemble avec la construction centre ça dans chaque département. Les gens ont bien pour le faire là. Et puis, demander tout le monde pour le corps gouvernement tout dans le projet ça qui a avancé très, très bien. Et des mesures relatives au jeu de hasard vont être appliquées sur tout le territoire national. C'est ce qu'a annoncé la directrice générale de la loterie de l'État haïtien. Marguerite Fortuné est revenue sur les accords signés entre la loterie de l'État haïtien et l'association des tenanciers de Borlette. La directrice générale a aussi invité les tenanciers de Borlette à retirer leur licence et autorisation pour la nouvelle année fiscale. Dans un accord partenariat entre LEH et ANTB, nous avons encore quitté le 26 juin 2013 son ancien directeur général loterien, Jean-Fritz Jean-Louis. Selon l'article 7 de l'accord, ces deux parties doivent mettre tête ensemble pour vendre fiches. Chaque bloc fiche coûtait 50 gouttes, là-dedans 15 gouttes pour ANTB, 15 gouttes pour DGI, 20 gouttes pour LEH. Respecté pendant 5 années, parce que tout le monde connaît, bloc fiche l'État est débloqué 1,5 million 500 000 dollars américains pour te faire dans le dépôt. L'année fiscale pour arriver, tout tenancier, tout le monde qui a fait jouer Tarzan dans le pays, hein, doit passer retirer l'autorisation ou bien permis de fonctionnement. Yo. C'est comme ça que l'autre est capable de jouer un moyen pour répondre à la mission comme ça doit. Et puis continuer le travail dans la transparence pour permettre l'État rentrer comme et puis porter assistance à la population. Il faut qu'on tout annonce nous tout parce que le secteur recouvrement, nous entendons dans la presse, qui a un pile problème. La direction générale, la direction commerciale et marketing dans l'autre, mais prend disposition de fermer la section recouvrement ça et remplacer par une autre section qui est inspection et contrôle. La section ça a bien fil là-dedans, n'a bien en pile jeune femme là-dedans avec garçon qui a recevoir une formation pour permettre bail service en plus bien à moun k'ap fè jwèt là. Et le directeur du programme national de sécurité transfusionnelle, PNST, le docteur Ernst Noël et le conseiller technique du PNST, Régine Moïse Néret, ont présenté ce lundi 6 août des activités réalisées à travers ce programme ainsi que les défis et leurs perspectives à l'occasion de la 51e conférence baptisée les lundis de la presse au ministère de la Communication. Les responsables du PNST ont aussi annoncé une campagne de sensibilisation de dons de sang. Suivez. 19 294 qui te vle bay, c'est seulement 13 360 qui rive bay. Nous, et parmi mon givis pochette que nous collectons, 13 360 là, combien nous rive utiliser vraiment, c'est seulement 12 313. Parce que l'autre ça n'a pas utilisé, l'éal fait dépistage sans, puis elle regarde est-ce que sans, il est capable de faire l'autre monde, il est capable de venir un marqueur infectieux qui est capable soit HIV, soit syphilis, soit hépatite B, soit hépatite C, soit HTLV1, HTLV2 qui sont des virus que vous avez, si vous avez une trace, vous n'avez pas qu'à utiliser sans ça. Nous gagnons 1047 pochettes sans obligé de mettre sous côté parce que sans ça, nous n'avons pas qu'à faire l'autre monde.
Dans même période ça que nous avons seulement 19294 monde qui t'en vie baissant, il y a 20199 monde qui t'ai besoin ça. Qui condition pour monde rempli pour le ca baissant? Premièrement nous gagne l'âge monde là, au monde qui voulait baissant, faut lui gagner entre 17 et 65 ans. 17 ans et 65 ans pour qui ça? Mon nom son donneur lié, donc la vie font don. Donc il est très important pour nous que nous connaissons de donneur là, que nous avons constamment éclairé. Que nous comprenons, les gars, c'est de maturité pour comprendre qui est important, geste que nous venons faire. Deuxième condition, c'est pour mon nom. Faut nous connaître quantité quand sang cap circuler dans corps mon nom, li proportionnel avec poids mon nom. Moins ou pesé, moins ou gen sa kap circule. Donc, pour un monde qui a vint baissant, faut poali pas plus petit que 50 kilos. Ou bien, si nous voulons lire un livre, faut poali pas plus petit que 110 livres. Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de l'édition 10 pour ce soir. Merci de votre fidélité. À bientôt.